Salut tout le monde, c'est Gab Morrison. Aujourd'hui, je suis avec mon gars Yoro. Ça dit quoi, mon ref? Ça dit quoi, mon ref? Tranquille. Ah, bien. Déjà, on est où en fait là? Là, on va connaître, tu connais. 92. Aïe aïe aïe. Carré. t'as kiffé un peu ici ou quoi, gros? Ouais, tu connais, moi j'ai kiffé. J'ai fait zone 4 avec MS13. Ouais, j'ai fait que ça. Hein. Négocie pas, sinon on va t'enterrer. Tu connais le tarot, amitié pétante. Postule comme si on était à l'intérim. Avant tout, je te laisse te présenter aussi, gros. Je m'appelle Yoro, Laté. Un artiste des Baconnais, je peux pas dire mon âge parce que je le dévoile pas. Je suis avec ma sécu, Moha, il est toujours là dans les plans macabres. On n'a pas besoin d'être beaucoup, nous. Attention, attention les gars. On va essayer de se lancer en mode bien là cette année. C'est tout, hein, j'ai que ça à dire. C'est quand même, mon gars, bah viens, on va faire un petit tour, gros. On va marcher un petit peu. Déjà, c'est quoi? C'est quoi le programme un peu? Est-ce qu'on va voir d'autres rappeurs? On va voir quel endroit c'est, ouais, c'est comme... Normalement, là, si on tourne un peu dans la. Si on tournait un peu dans le Banks, normalement on va voir Kyoshi, Tisco, Tonton, Dinero, Monzankou, il y a plein de gens. On va voir, viens, on tourne, t'inquiète. Eh, c'est carré, mon gars. Déjà, t'as commencé quand le son, toi? T'as commencé il y a combien de temps? Comment t'as commencé? 2 ans, ouais. Ouais, avec MS13. Et ça fait un moment que vous n'avez rien sorti avec MS13 au ça complet, non? C'est fini, MS13. C'est fini, ouais. Ça y est. Officiellement? Bah ouais. Quoi, ça a été annoncé ou c'était laissé un peu en... En vrai, on s'est pas trop attardé sur ça. Hein. Je connais, je les ai carottes après. Non, je rigole. Vous avez fait à l'ancienne, c'était surtout les freestyle zones, ouais, zone 1, zone 2 et tout. Les zones, ça consistait à montrer les zones de notre quartier, t'as capté. Et là, par exemple, c'était zone 4. Voilà, c'était zone 4. Ouais. Ça allait jusqu'à combien à peu près ça? Après, je te mens pas, il y a plein d'autres zones qu'on n'a pas faites. Hein. J'ai appelé Cisco là, je l'ai fait sortir, c'est enfoiré, il dormait. Là, on va le faire sortir. Mais du coup, vous les gars de MS13, ça fait combien de temps que vous connaissez tous environ? Je te mens pas, MS13, ça fait longtemps, je connais. Hein. Je connais, on a grandi ensemble. On a grandi ici, on a traîné ici, on a tout fait. Ouais. Toi, ça fait combien de temps que t'habites au Vaconnais, toi? Moi, ouais. En vrai de vrai, hein, j'ai jamais quitté ici. Je suis né ici, je vais mourir ici. Moi, je suis condamné. Alors là, viens. Viens, je vais te donner un jouet, viens. En fait, l'horloge, attends, je vais t'expliquer. Parce qu'en fait, lui, c'est comme France 2, il vient faire un reportage sur les Baconnais. Viens ici, viens ici. Venez, mes gars, venez là. Venez, y a pas besoin de checker, venez. Regardez, ils sont plus petits que moi, mais regardez, ils sont plus balèzes que moi. En fait, les fous, ils vont vous cogner. C'est là, mes sécules. Ah, mais l'horloge, viens. Ça va ou quoi, l'horloge? Voilà. Ça se passe bien ici ou quoi? Il est juste venu te dire bonjour et tu veux pas lui répondre. Mais bonjour, pourquoi bonjour? Ben, alors, regarde, là, il faut faire ton annonce. Il y a beaucoup de femmes qui vont répondre. Mais moi, j'en rappe pas, c'est ça un problème. Ouais, Yoro. Ouais. Pourquoi ils appellent l'horloge même? Parce que déjà, tu vois, lui, il fume trop de bédo, il fume trop le poro. C'est-à-dire, déjà, il a perdu la notion du temps. Et à chaque fois, il demande l'heure, t'as capté? On a un quartier de con, hein, voilà. Et on a d'autres des phénomènes un peu ici ou quoi? Il y a que ça. Voilà, il y a que ça. C'est qui le pire, gros? Le mec qui est le plus touché ici, frère. Ah, il a touché. Il a touché, mais qui a encore sa tête, il a touché, ils ont même plus leur tête. Hein. Ceux qui ont encore sa tête, il y en a un autre là, c'est Tisco. Voilà, il est super touché, ce mec. Voilà, Tisco, il casse les couilles là. Voilà, je vais devoir enlever mes lunettes. Quoi, il a oublié les siennes ou quoi? Il a perdu les siennes, voilà. Il m'a zâle. Attends, ça fume. Tiens. Ouais, fais un petit coucou à la caméra. Là, j'ai mort le seum. Ça dit quoi, Tisco? Un petit mec, ma gueule, deux rues de la Méditerranée. Voilà, toi, j'ai une chance. 250. Bienvenue, ma gueule. Eh, merci. Bien. Merci, le mec le plus touché du secteur. C'est pas un secteur rempli de chapalera. C'est censé galérer du quartier, c'est lui. Mais! Bon alors, Yoro, c'est comment? Ils étaient 4 au début dans MS13, non? Ouais, je te mens pas, de base, on était 4. Hein. Après, on a fini tout seul, hein. Tu connais, chacun a pris son temps. Bon, sinon, vous deux, là, en ce moment, vous avez votre truc, la sauce. Ça a bien marché en plus. Bah, en fait, ce qui est bien, c'est que c'est tiré d'une histoire réelle. Ah, c'était vrai, ça en plus? Ah, ouais, c'est vrai. Quoi, on va manger? On sort pas dans la sauce propre, parce que Nina, elle a porté plainte chez vous. Si tu peux résumer un peu la sauce, ça parle de quoi, les clips? En fait, pendant le confinement, c'est simple. On a demandé à notre communauté quel genre de live vous voulez. Dans les questions, là, en soi, je sais pas si tu captes.
Et après, il y en a un, il a dit tester les meufs des gens. Tout part d'ici. Après, on a testé la meuf d'un mec. Elle s'appelle Nina. Nina. Et voilà, il y a un film dans la sauce. Hein. Elle est tombée dans le piège. C'est pourquoi? Parce qu'elle tuerait pour que Tisco lâche, lui fasse un câlin. À chaque fois. Putain, c'est pas comme ça. T'es un vieux Renoir ou quoi? Les vrais blagues, on n'est pas dans ça. Elle t'accata là ou quoi? Exactement. Elle tuerait pour que Tisco lâche. Le square, là, mon gars. C'est le square ici, ouais. Tu connais les squares, c'est une longue allée. Hein, voilà. Ah, mais vous avez fait zone 2 ouais. ici ouais. Zone 2 ouais, ici. Ouais. Le quartier des loups. Ah, je te vois pas la écaille. Hein. Je sais pas où les Zoumas ils sont partis se réfugier. Hein. Voilà. Et tu vois, cette rue, c'est la meilleure rue du quartier. Et carrément, c'est même devant là-bas, le 6. Oh non, non. Il y a qui d'autre comme rappeur au Baconnet en fait? Au Baconnet, c'est simple. Il y a mort des rappeurs. Tout plein de rappeurs. Il y a Fiché. À l'ancienne, il y avait Yakuza Gang. À l'ancienne, il y avait Yakuza Gang, Koshi, Byron, KLN. Tonton Mongava, même si des fois il fait des phases. De toute façon là j'espère qu'on va le voir dans la cahier. Tonton, il y a Ake, il y a le Huss, très très méchant. Le H. Le H, il arrive très fort. Gros bisous à toi, mon ref. Dinero Monzaku, ça bouge pas. Bientôt on va faire. Hein. Y'a qui encore? Y'a qui encore comme rappeur, wesh? Après tu connais les autres rappeurs, c'est à place 2. Hein. C'est la même cité. C'est ville. Ouais, du coup c'est deux villes différentes mais c'est la même. Ah, c'est un peu ensemble, t'as capté. Il y a Isma. Le Heps enfermé, force à lui. Il y a Menmo, Mama, Momi. Il y a qui encore? KLV. Il y a comment c'est Carlito. Carlito. Ah, il y a trop de rappeurs. FD. T'as vu, je te coupe deux secondes. Meilleur bâtiment du quartier. Meilleur bâtiment. Ah, WS. Le 6. WS. C'est un malien comme moi, je l'aime. C'est mon gars, lui. Là, tu connais, là, on est toujours au score. C'est mort. Ah, c'est encore le soir ici, ça. C'est le soir. Toute la ligne. Toute la ligne, c'est le soir. Oh Yoro, la question que je me posais, gros, ton blaze il vient d'où en fait? Ça veut dire quoi? Ça vient d'où Yoro? Pour te dire, je te jure, je sais même pas, depuis tout petit, on m'appelle comme ça. La vie de ma mère, je sais même pas pourquoi on m'appelle Yoro. Chez moi, ça m'appelle comme ça. Il y a juste à l'école, ça m'appelle pas comme ça, t'as capté, parce que j'ai un vrai prénom. Mais depuis tout petit, ça m'appelle comme ça, je sais pas pourquoi. Là, t'es au ND, c'est là où on a tourné. Là, c'est le pont de l'Estérel, là, c'est la limite. Ah, tu reconnais pas ici ou pas? Si, c'est là. On a commencé, mon pote. ND. Et du coup c'est quoi? C'est ça la frontière avec Massy ou quoi? Ouais, c'est juste là. Tu traverses ta Massy en fait. Ici t'es au Baconnet, regarde, au feu là. Tu vois ce feu là? Ce feu c'est Baconnet, l'autre feu c'est Massy. Ah ouais, ouais. Ah, bah, c'est ça ouais. C'est et zone 1 c'était ici du coup? Ouais, zone 1 c'était ici. C'était quand le premier clip d'MS13 gros? C'était quoi le premier clip? Bah, le premier clip c'était MS13 zone 1. Ah c'était déjà, ça a déjà commencé ouais, comme ça? Ça a déjà commencé avec zone 1. Mais ça va ça. C'était en 2019. Ça a bien pris hein, pour un début à l'époque. Ça va, c'est ça, ouais. C'est là que je dis, c'est là où tout a commencé. Besoin d'une mesure pour savoir que la MS fait du ça si on tant qu'à ta porte. Mes mains isosales à la recherche du beurre au tartine, on fait bosser les scores. Je connais là, on est ND, hein. J'espère. Ah, c'est carré, ah, les humains de la cité, j'aime trop ça. Oui, Bilou. Ouais, là, il y a mon gars là. Vous voyez lui là? C'est un Harbi, il fait tomber toutes les femmes. Star, prends là. Hey, il est mort, bon. Salam. Salam. Ah ouais, y a pas de salam, y a pas de salam joyeux. Salam Momo. Y a d'autres rappeurs un peu ici ou quoi? Il y en a, ils ont fait leur retraite, hein, je comprends pas. Ils sont là. Je sais pas si vous le reconnaissez. Le Luxé. Yakuza Gang. Ouais, je t'ai rappelé avec Yakuza Gang, toi. Bah, c'est 3 pays. 3 pays, ça a un peu marché, tout ça. Aléa de la vie, on a dû arrêter. Hein. Poteau Cuché, continue tout seul, c'est lui maintenant. Allez streamer, Cuché, la mixtape, Azé Live. La sécu. Voilà. La sécu du. Oui. Présente-toi. Tonton. Le stress, tu connais. Du bénéfice, les meufs te la restent quand t'as du réalisme. Mais papa, ta journée, tous des artistes. Devant l'OPG, on est tous des autistes. T'as rien envoyé depuis MS13, toi? Ouais, moi j'ai rien envoyé là-bas, ça arrive, j'ai fait des sons, t'inquiète. Ah, ouais. Gandoulé, le manager des Baconnets, le maire des Baconnets, il est là. C'est pas baiser les airs, c'est lui le maire des Baconnets. Ah, présente le groupe. En fait, du peu, moi je me présente à Mizou. Alors je vais vous présenter la Yakuza, parce que vous ne saviez pas en fait comment ça s'est passé. Parce que la Yakuza Gang, excusez-moi, c'est un groupe. C'est un groupe de la nouvelle génération. C'est un collectif, t'as vu? Après. Il y a des rappeurs, il y a des footballeurs, il y a un peu tout. Il y a un peu tout. C'est droit. Il y a des cogneurs. Il y a tout dans le groupe. De base, ça part de la bagarre, faut pas oublier. Voilà pourquoi il y a. Pour commencer, de base, c'est la bagarre. C'est la petite mafia, on est réputé pour ça. Comité restreint, on est réputé pour ça. Et il a fallu se calmer et choisir sa voie. C'est-à-dire la musique, il y en a trois, ils étaient talentueux, on a vu.
Donc on les a lancés, qui est KLM, que chez Byron, j'y connaissais déjà. Byron était présent, on l'a présenté déjà. Vous avez suivi les sons, ça a marché. J'ai une petite lumière à la cité, une fit avec quatre queues. Tout s'est bien passé, mais après, comme tout à l'heure, mon collègue il m'a dit, les aléas ont fait que, vas-y, on a dû stopper tout ça. Voilà, mais il y a Euro, il a suivi, il y a Chico aussi, tu vois. Celui-là, ils ont suivi. Ils ont pris la relève, ils ont dépassé même. Ils ont dépassé, ils font les vues, maintenant, on continue, hein, tu connais. Y'a pas d'égal, prends pas de retard, si je démarre au minime, c'est 20 minutes de cas. Toujours violent dans les actes, toujours violent dans les propos. Jamais je vais signer un pacte, je suis avec Chocapi, Keke et Choco. Il n'y a jamais eu de feat entre Yakuza et MS13. Ouais, il n'y a pas de feat, mais on peut faire quand on veut, tu vois. Ça se demande même pas. En fait, il n'y a plus de Yakuza maintenant, tu vois. C'est un seul rappeur, c'est que je suis direct, tu vois. Après, il y a des petits freestyles de temps en temps comme ça, dans les halls. Voilà quoi. Et ça va suivre, t'inquiète, très prochainement. Mais sinon, Tonton, il a déjà fait un son avec Keshi. Ah ouais, ouais. Ouais, il est dispo. C'était à combien de temps ça? Il y a un an. Ouais. Bon, c'est carré. J'ai déjà fait un feat avec Byron, mais il m'a lavé. On l'a pas sorti, t'as capté. Ouais. Au contraire, ça a commencé comment, MS13? Comment les quatre vous êtes mis ensemble, etc. Ça, c'est... En vrai de vrai, de base, on était en garde à vue, t'as capté. Et cette petite Joe là, il a commencé à faire un remix de Enda Block. De Batara Gang. C'est-à-dire, après, on a suivi en impro, tout ça, truc. Et... C'est après, ça s'est fait naturellement, je peux même pas t'expliquer. Hein. Voilà. Le lendemain, on a le studio, on a fait zone 1. Et après ça a suivi. Ah hein. C'est venu cash d'un coup là, ça c'est venu cash. Direct. Ouais. Et leur premier son, 100K. Ah, 100K direct le premier son direct. Vous attendez ça peut être autant ou quoi? En vrai de vrai non. Je savais pas que ça allait... Ah. Je sais pas, c'est grâce au conseil de... Hein de la... Hein Bello. Non Bello non. Oh tu fais timide. C'était le co-manager de... MS13. C'était le co-manager de MS13. C'est grâce à lui j'ai commencé un peu la mélodie un peu... Ouais, la mélodie un peu variété française, t'as capté. Il a l'oreille. Lui, c'est lui le Bello du sourire. C'est lui qui demande à Bello de faire ce thème. Voilà, c'est lui exactement. Ils m'ont fait croire. Attends, il y a la sécu qui passe. Ouais, l'ancien. Ils m'ont fait croire. Ils t'ont fait croire que t'as Covid. Ouais. Qui t'a fait ça? L'hôpital d'Anthony. Ça perd les popettes. Je te jure, je peux te montrer les papiers. Non, ils t'ont fait croire, mais t'as pas. Je l'ai pas. Comment tu sais? Mais pas parce que j'ai pas eu montée de fièvre. Oh, la vie de ma mère, je l'approche pas. Et je mange normalement. Bah ouais. Tu sens le goût, tu sens les épices. Tout. Tout. Je sens même le cri de la fille. Il y a trop de gens, ils ont le Covid ici. J'ai remarqué déjà à Place Bulle. C'est un quartier maudit, wesh. Ils n'ont pas le Covid, ils sont en prison. Toi, ça vient d'où alors les expressions gros? On avait fini zone 1 et on. Il manquait un mot. Il manquait du sel, t'as capté? T'as capté. Dans le son, il manquait un peu de sel, tu vois. Ça veut dire, je crois, dans la cabine. Narchichi. Je sais plus dire ça. Après, ça a pris, hein. Et depuis, il veut toujours pas nous dire ce que ça veut dire Narchichi. Toi, t'as tes expressions ou tu t'en bats les couilles, toi? Franchement, je te mens pas, moi. Ces expressions, c'est mes expressions. C'est la même chose. En fait, il y a un feeling, il y a une connexion qui fait que même des fois, je vais dire des trucs, il va les redire. T'as capté? C'est le même délire. La même chose. Tu connais, là, ça va à Place dehors. Ça va au Savi un peu. Tu connais, on va dans notre secteur, c'est RIC, cliqué, avec mon Gavatos. Il va nous expliquer un peu, hein. Hein Motou. Pas de blaze, ma gueule. Pas de blaze, c'est ça son blaze. Là, on va aller dans le 91. On va te montrer. Dans le 91, mais c'est pareil. C'est la même chose. Du coup, on va passer, ouais, c'est côté massif, ça, là-bas. Côté de la frontière. Et est-ce que c'est la même mentale là-bas qu'ici, tu trouves? C'est pareil. C'est la même. Bah ouais, vraiment. Attendez, on passe pas la frontière sans moi là. C'est moi la douane aujourd'hui. Regarde, je suis mort content. Mon frère il vient de m'appeler, il m'a dit bien, il m'offre un petit cadeau. Je sais même pas pourquoi. Ça c'est bizarre ça. il va te demander un truc gros après. Ah, ça franchit la frontière. C'est le feu rouge la frontière du coup. Ouais, tu connais. Hein. Allez, ça va, vas-y, passe, t'inquiète, y'a rien. C'est chez nous aussi. Oh. C'est RIC, 4 fois filtré. Voilà. À partir de là, je te mens pas. Voilà, je te mens pas. Même si j'ai rien compris de ce qu'il a dit, mais c'est vrai. Tu connais, on va parler un peu du refrain. Baiser Lézé, c'est le manager. Là, il s'est lancé sur du cinéma. Ah ouais? Je te mens pas, il est super confiant. Hein. Là, il a fait
des petits courts-métrages, tu vois. Non, comment ça s'appelle les trucs avec la musique Je sais pas. Allez, on va dire, ouais, il a fait des petits courts-métrages où il a fait croquer tous les rappeurs de la cité, t'as capté, ils ont tous rappé dans son court-métrage. Et je te mens pas, ça a bien pris, hein. Il est super confiant. D'ailleurs, tu connais, on lui donne une bonne petite force, on le booste. Sur YouTube, c'est Tardive Rédemption, et ses réseaux, c'est Baiser les élèves 2, Insta, pareil. Tu connais, on lui donne la force, tout le quartier avec lui. Et toi, t'as déjà clippé côté Massy un peu ou quoi? Vous avez déjà clippé? Mais en fait, là, je vais me lancer sur une série de freestyle. Ah ouais. Pour te dire, j'ai clippé hier et j'ai commencé à Massy, parce que tu connais. En vrai de vrai, je traîne tous les jours à Massy avec mes gabas. Et le pire, c'est que là, dis-toi, il n'y a même pas tous mes gars avec qui je traîne aujourd'hui. Voilà. Ils sont pas là, je sais pas où ils sont. Du coup, là, on est 9-2 collé et 9-1. Ouais, là, on est 9-1. La mentale, elle ressemble plus à celle du 9-1 ou celle de. Je te mens pas. Ah, je crois qu'on se rapproche du 9-1, nous. Nous, on est en mode 9-1, non? En fait, on est en mode 9-1, mais délire 9. Ah, je sais pas, c'est mort bizarre. ouais, c'est trop bizarre, t'as vu. C'est 9 de côté Brosson. C'est pas. Hein ouais. On va pas faire du cinéma, mais les gens ils savent, t'as capté. On va pas trop parler. T'as vu, quand on les mortis, on sait même pas ça vient d'où. Ah ouais, ça vient d'où. Mais si, il y a beaucoup de blagueurs, hein. Ça se trouve, il y a des mortis, c'est rien, c'est pour tirer en l'air. Bon, je vais présenter le fameux bac, 18 avenue Saint-Marc. C'est là où on traîne tout le temps. T'as vu, parce que tu vois, quand c'est miné côté Baconnais, parce que je te mens pas, vu que c'est le 9-2, les condés sont chauds là-bas. C'est-à-dire, on vient direct ici, tu vois, dans ce bac là, on fout le zbeul. C'est n'importe quoi ici, t'as capté. Ça. Et pour te dire avant là, il y avait écrit tout nos. Ouais, il y avait tous les blazes ici. La mairie, ils ont enlevé. Ah, c'est la mairie, ils ont enlevé carrément. Voilà. Un jour, on s'est réveillé un matin, il n'y avait plus rien. Il y avait tout le blaze de ceux qui traînent ici. C'est que les gens de mon équipe, t'as capté, ils traînent ici. Ça baisse tout, ça fait des chires, ça fait vraiment tout dans ce bateau. C'est l'anarchie. Il n'y a personne, je sais pas pourquoi il n'y a personne aujourd'hui, je sais pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Il fait froid, il y a que des caméras partout. Ouais, on m'a dit ça avait mis là les caméras. Voilà, il y a que des caméras partout. Attends, si je trouve les vidéos où ça casse les caméras, je vais t'envoyer. Elles sont dans le clip de. De Isma. Ouais, de Isma. Ouais, Isma. Il y en a une là. Il y en a 6 dans l'allier. Isma aussi, hein, attention, bel mec. Hein. Je ne vois pas s'il se met vraiment là. Il va percer, hein. Dommage là, il est enfermé. Hein. Ah ouais, il a fait quoi, 700 000, 400 000 après? Ouais, il envoie des bons sons. Dis-toi, je devais le voir, il a béton à ce moment-là. Ouais. Ah ouais? Ouais. Il envoie des bonnes patates. Fais belle, je suis dans la foule et on se tépie, on t'arrache. Quand t'es dans la tour, prennent des clichés en deux, puis on s'arrache. Et regarde les gars, des grosses putains qui s'attachent. Gros, la vie, c'est pas un film, ça t'allume si tu joues l'Al Pacino. On a parlé de tes projets à toi. Ouais. Et je voulais demander à Tisco. Mon gars, Tisco, toi, les projets, ça dit quoi un peu? Moi, l'archéchique 2.0, toujours Tisco. Allez, streamer. Il y en aura d'autres. À fond, on lâche pas. On charbonne. Travail, paye. Moi, t'as capté, là, je vais me lancer dans la musique. Je vais me relancer dans la musique. Parce que là, j'ai dormi, là, t'as capté. Là, je vais revenir. Voilà, tu vas voir. Voilà, allez, vous voyez ce petit-là, il est en CP, mais il a 25 ans, t'as capté. Voilà, je sais pas pourquoi. Ans. Il est mort vieux. Après, il a 35 ans aussi, mais lui, faut pas trop parler de lui, je te mens pas. Faut pas montrer sa tête, faut rien faire. Bon, Yoro, ouais. Pour terminer, gros, j'ai la toute dernière question. J'ai dit tout le temps pour chaque rappeur. C'est quoi ton équipe de foot préférée? Mon équipe de foot? Ouais. Je peux m'en faire, je regarde pas trop le foot. Hein. J'ai pas envie de dire PSG. Non, je sais, Rennes. Parce qu'il y a Loïc Badé, je joue là-bas. C'est carré, alors c'est quoi tes réseaux si compte sur vous? Mes réseaux sur Instagram, c'est Yoro-du-bas, MS13-du-bas officiel. Et mon Snap, Yoro92Easy. Après TikTok, je crois que c'est Yoro FS. Je sais même pas c'est quoi, t'as capté. Moi, mes réseaux, c'est sur Insta déjà, c'est Ousou92. Ousou-du-bas 92. Et sur Snap, c'est Ousou92. Collé. Tout collé. Il veut rien savoir. C'est en lettres. Il veut rien savoir. Moi, Snap, Tisco, tiré du bas, Falcao. Et sur Insta, Tisco officiel. Bon, c'est carré. Yoro, c'est carré. Merci à toi, mon gars, en tout cas. C'est grave, mon gars. Franchement, ça fait. Là, je vais lancer sur une série de freestyle. Écoutez, s'il vous plaît. C'est tout. Fort, bien vu.